chers ultrates, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien pour cette petite vidéo YouTube off, juste avant de partir en vacances. Je suis déjà en chemise, là derrière tu peux pas voir le van avec toutes les planches et l'avion et un Bébou et un Cyril et un Didier à l'arrière. Ils sont tous prêts à partir en vacances. Du coup, pendant cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler de ma rencontre avec Tabernak 1 et 2, aussi appelé Noble Spartan and Bling CJ. Puis de mon passage à Popcorn, mon premier passage. Qui se passe sur Call of Duty avec Activision, parce qu'on le sait, toi tu as. Waouh, il s'en passe des choses. Ouais, gros streamer code. Pour finir, on va parler du gros sujet WSOW. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Quand ça va se passer? Il y a beaucoup de questions et je vais y répondre dans cette vidéo. Alors déjà, Nobu, Bling CJ, coup de cœur amical pour Bling CJ et Nobu. Deux gars vraiment sympas, gentils, naturels. Pas de doux. Tabernak 1, 2. On commence plutôt bien parce que j'arrive à Paris en début d'après-midi, faut trouver un coin où manger. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je reçois un DM d'un ultra en mode « Je suis restaurateur au Bratch à Paris. Est-ce que tu veux passer avec tes caribous? On vous fait un steak de koala, tout le monde va kiffer. » Je crois qu'on mélange un peu tous les pays, mais on s'en bat les couilles. J'arrive au Bratch. Déjà, je vois qu'il y a un portier, il y a un truc. C'est vachement au standing. Il y a quelques stars de foot qui passent. Je comprends pas. Là, nous, on rentre, tu vois, à la cool. Les petits sacs à dos en survette, pépère. Ils nous accueillent, l'ultra. On monte à un étage. Et ce que je savais pas, c'est qu'ils avaient juste privatisé un étage pour qu'on mange tranquillement et qu'on puisse papoter ensemble. C'était juste trop bien. On s'est pété le bide avec un petit burger, des petites frites et des bonnes pâtisseries bien françaises. Et ce qui fait que les Blink et Nobu ont goûté à ça pour la première fois ici en France, à ces pâtisseries-là. On avait une tarte à terre, un petit gâteau au chocolat, enfin mais genre tellement travaillé, tu peux même pas appeler ça un gâteau au chocolat, c'est de l'art à ce niveau-là. Enfin bref, on a passé vraiment un chouette moment et je voulais juste les remercier. C'est ces gars-là qui nous ont accueillis, bien sympathiques. Et encore, là, je vous ai pas montré le rooftop. En plus, il y avait un vieux sniper qui campait sur la tour Eiffel, il a cassé les couilles. Avec Bling Spartan, on a parlé pas mal de choses, de Twitch, de ce qu'on comptait faire pour la suite aussi, pour le tournoi. Est-ce qu'on avait assez de ressources, assez de force pour faire le stage 2, au lieu de réunir les 50 meilleurs Europe sur les 2000 inscrits, réunis les 25 meilleurs Europe sur les 2000 inscrits. Vous allez vous dire, si vous n'avez pas réussi à faire 50, pourquoi est-ce que vous arrivez à faire 25? J'ai une bonne réponse à ça. On a fait 60. Et les 50 premiers vont être inscrits. Ce qui fait que logiquement, on devrait être dans le top 10 des favoris du prochain. Mais on va un peu plus en parler tout à l'heure. Là, je vais passer au sujet Popcorn. Comme vous le savez, ça fait longtemps que je regarde. Ça fait bien un an et demi, deux ans. En fait, j'ai perdu la notion du temps d'avec quand est-ce qu'elle est sortie, cette émission de Domingo. J'étais vachement content d'y être. On avait un Domingo souriant. J'ai été invité par Florent Déru, qui a été juste adorable, qui a su me mettre à l'aise. Malgré qu'il m'avait annoncé qu'on allait faire un petit bac. Alors qu'il y avait un étoile, une ultime. Et un Jiraya dans la même pièce avec Domingo. Mais les gars, sans déconner, étoile, question pour un champion depuis qu'il a 3 ans et demi. Ultia, c'est une tête. Jiraya, il a une réflexion à 800 à l'heure. Et Domingo, il est à domicile, gros, depuis 2 ans. Et moi, petit bac, j'ai fait bac pro et BTS. Pff, la culture G, pas évident. C'était même très galère. Mais je me suis dit, autant la tenter plutôt vers l'humour. Justement, deux catégories. Gigi qui a l'air d'être un peu en chien. Excuse trop souvent utilisée. Lapsus. Je suis allé enculer la voisine, je suis allé voir la voisine. Non, excuse-moi. Et d'autres fois, les gars, ne pensez surtout pas que j'ai fait de l'humour, que j'ai eu un temps de réaction incroyable pour trouver une vanne trop drôle. J'ai juste mis le premier truc qui me passait par l'esprit. Eh ouais, pourquoi? Tu es en train de te demander. Pendant cette soirée, avec Domingo, ça a parlé d'absinthe. L'absinthe que j'ai connue, chat, étant un enfant du sud-ouest. Ça allait en Espagne faire les courses, prendre les bouteilles de 5 litres un peu moins chères. Tu l'as fait, toi aussi. D'ailleurs, lâche un petit commentaire si toi aussi tu l'as fait, ça. Ça a forcément ramené des bouteilles d'absinthe à des soirées, des fois, avec de l'eau, du sucre. Effectivement, le lendemain, c'était pas pareil. Bref, je crois qu'il y a des séquelles. Viviscontine, la morue à poil. Sinon, sur le plateau, j'ai pu parler du sujet qui m'intéressait le plus à ce moment-là, Activision. J'ai réexpliqué un peu ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo YouTube. J'ai aussi parlé de nos perfs sur le tournoi, sur le fait évidemment qu'on était déçus de ne pas être qualifiés et qu'on espérait qu'au prochain stage, ça le ferait. Mais pour le prochain stage,
il faut trouver un sponsor. Parce que faire venir Tabernak 1 et 2 en France au dernier moment, une semaine avant, vu qu'on n'a pas les dates, même en juin, on n'a pas les dates, leur louer un studio pro, leur prendre un logement, on est sur plusieurs milliers d'euros. Au début, on devait avoir un sponsor qui couvrait ça. Finalement, mais... je sais pas où il est passé le sponsor. Du coup, c'est la Showcorp qui gère. Pour le prochain, je pense avoir une petite idée qui devrait assurer le truc et qui devrait faire qu'on devrait être encore dans de meilleures conditions la prochaine fois. Et c'est ce que je nous souhaite. J'ai envie qu'on fasse quelque chose qui va être exceptionnel et qui va vous marquer. Et surtout qu'on va réussir à les passer, ces putains de qualifieurs. Je vais pas partir dans tous les sens. Mais dans le top 50, il y a des équipes. Eh hey, shit! Moi, j'ai regardé 2-3 équipes, j'ai radé les comptes. Ils avaient même pas 150 heures de jeu, les gars. C'était relié à un compte Warzone 1 où le mec avait 1.8 de ratio sur Warzone 1. Pour ceux qui sont très curieux, je vous invite à fouiner un peu sur Twitter. Ou même d'aller voir la vidéo de Pumpkill qui vous expliquera très bien ce qu'il y a eu. Je commence à partir dans tous les sens avec ce sujet popcorn. Je voulais juste dire que j'étais heureux d'y avoir participé. Participer à une émission que tu suis depuis longtemps, c'est toujours chouette. Surtout quand c'est avec des personnes si cool à la table. Donc, merci Domingo pour cette invitation. Merci Popcorn. Et maintenant, on va passer au sujet qui vous intéresse tous. Les WSOW. Déjà, j'espère que vous avez passé un bon moment à le suivre en live sur Twitch. Sur les 60 000 viewers, il y en avait 25 000 qui étaient à la maison. C'est pour vous dire à quel point notre team crée un intérêt. C'est pour ça que j'ai envie de me battre pour qu'on y retourne, pour qu'on continue de montrer ce dont on est capable. On peut s'imposer, on peut arriver dans ce top. Il y a des games qu'on n'aurait pas dû choc. Certaines games, on avait une facilité de start grâce à en fin de tournoi, grâce aux stream hackers qui venaient. Mais côté de ça, on avait des teams extrêmement tryhard qui faisaient exprès de spawn sur des forteresses, de faire des sites noirs très très loin et qui attendaient des moments vraiment opportuns pour nous détruire. Sans parler des teams de cheaters qui lançaient en même temps, qui nous butaient, qui déconnectaient juste après. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ce tournoi, beaucoup de choses folles. Pour la première fois de ma life, j'ai pris une balle de snipe de tellement loin que je n'ai même pas entendu partir le coup. J'arrive, on parle Chelsea. J'ai ping. C'est quoi ça? Non. C'est pris bon. Je sais pas. Sur Warzone 2, c'est quelque chose de plutôt pas mal. Il y a aussi eu des erreurs, évidemment, personnelles, des erreurs de team. On a pas été parfait chacun dans ce tournoi, mais au vu de notre performance, les gars, de ce qu'on a fait, toute l'énergie qu'on a mis même pour le faire, je trouve qu'on... on méritait et on avait réellement notre place dans le top 50. Je vous le dis, là je pars en vacances, je reviens le 13. Je vais tout faire les gars pour trouver un sponsor et refaire venir Tabernak 1 et 2. Et s'il n'y a encore une fois pas de sponsor, la Showcorp prendra encore une fois les frais de Tabernak 1 et 2 pour les faire venir. J'ai envie qu'on retente de se qualifier, j'ai envie que si on ne participe pas à ces WSOW, qu'on ait tout fait pour y participer sans être invité. Et en suivant de ça, je pense les gars que j'aurais absolument tout donné sans aller à l'encontre de mes principes. J'espère que ça le fera, j'espère que vous serez encore une fois derrière nous. Dans tous les cas, merci du fond du cœur pour tout le soutien que vous m'avez donné. À moi ainsi qu'à Tabernak 1 et 2 qui ont été là tout le long avec moi, qui ont été très mignons. Moi les gars, je vous fais de gros bisous. Il va être temps pour moi de partir en vacances. On a été en mode non-stop depuis janvier avec un gros problème de santé au dos qui a mis du temps à passer. Là, vraiment, ça va faire du bien de souffler, en plus avec les copains, donc trop bien. Vous, les gars, prenez soin de vous. Je reviens en super forme le 13 en live. Et je vous dis quand même quelque chose, les ultras. Le 15, il y a une annonce qui va être énorme pour ma chaîne. Quelque chose de big, quelque chose auquel certains peuvent peut-être s'attendre, mais quelque chose qui va faire parler. Dans tous les cas, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Et si vous voulez suivre un peu ce que je fais en vacances, tout ça, ça se passera sur mon Instagram. Je vous embrasse les ultras. Prenez soin de vous. C'était chaud.